titre de 2024, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a bénéficié d'un montant de 25 milliards 456 millions 173 000 francs CFA et qui va servir à décliner plusieurs priorités. Ces crédits sont répartis en dépenses de personnel 2 milliards 662 millions 247 447 francs. Dépenses ordinaires hors salaire, 5 milliards 714 millions 720 000 francs CFA et dépenses en capital, 17 milliards 79 millions 205 000 francs CFA. Le budget de 2024 a connu une baisse de 12,59%, mais cette baisse se justifie par la clôture des activités du projet SWED pour l'autonomisation des filles et des femmes et du dividende démographique. Donc, qui était prévu, cette clôture prévue pour 2024. Mais cela ne devrait pas impacter la mise en œuvre des grandes réformes engagées les années antérieures dans le secteur des affaires sociales et de la microfinance. Alors, les priorités, d'abord, nous avons la poursuite des grands travaux et des réformes qui ont déjà été engagées depuis 2023. Nous avons la transformation des centres de promotion sociale en guichets uniques de protection sociale avec un lancement officiel des travaux de construction et d'équipement des infrastructures. Nous avons le transfert monétaire à 75 000 ménages pauvres extrêmes dans 33 communes à travers le programme de filets sociaux de protection sociale productif appelé Gbesoke, l'intensification de l'assurance maladie aux couches vulnérables, pauvres, non extrêmes, le renforcement de la lutte contre la mobilité transfrontalière des enfants, l'implémentation de l'initiative des classes socio-éducatives, la rénovation des centres de formation spécialisés des personnes handicapées, l'actualisation des documents de politique et l'élaboration de leur plan d'action, le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de protection de l'enfant en vue d'une meilleure prise en charge des diligences qui leur incombent dans les procédures, le renforcement de cadres institutionnels et réglementaires des adoptions, le démarrage du projet de finances inclusives et innovantes, l'évaluation d'impact du projet microcrédit à l'AFIA, la consolidation de la base de données des bénéficiaires des programmes de protection sociale, la mise en place ou la création d'un centre d'assistance psychiatrique, la mise en œuvre des dispositions des tests d'application de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, la digitalisation des services et prestations offerts par la mise en place donc d'un système de gestion intégré, l'implémentation d'un mécanisme de gestion des plaintes, des services et prestations offerts par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les échanges ont été très vifs, très conviviaux aussi, et surtout, j'ai constaté que les députés ont porté une très bonne appréciation sur toutes nos perspectives pour 2024. Quand je prends la construction des guichets uniques de protection sociale avec la vision, la réforme principale qu'ils portent, quand je prends la création du centre d'assistance psychiatrique, par exemple, donc autant d'exemples, et ils ont quand même souligné aussi le besoin. Ils ont souligné le besoin de recrutement au niveau du ministère des Affaires sociales, de la microfinance, pour ceux qui connaissent les centres de promotion sociale et les difficultés que nous rencontrons.